Non, pas du tout, pas du tout. Faut améliorer, faut améliorer. J'ai une question. Est-ce que dans l'avenir, tu veux dire que le champignon qui va plus dans les temps, est-ce que c'est amené à disparaître au... Pas pour le moment. Pas pour le moment, parce que il y a des choses à l'intérieur. Il y a le Jellyfish Academy. Puis on va le passer en 3D. Donc quand on le passe en 3D, c'est pas pour l'année prochaine. On fera un petit peu dessus. Ouais, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, on va en l'année prochaine. Alors, hein? Qu'est-ce qui nous attend l'année prochaine? L'année prochaine, on va thématiser les Caraïbes là-bas, la zone Caraïbes, comme il faut, puisqu'il faut vider les bassins, mettre du ciment blanc. Le petit bruit, il fait plaisir. Sable. Comment? Le petit bruit, il fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Et voilà, donc si vous voulez, puis l'année prochaine, si on peut, mais à mon avis, nous ont dit 2 ans de délai, c'est le Terra, je ne sais jamais. Terra House. Le problème, c'est que c'est pas un train fantôme, ça va pas être un truc qui fait ça. Hein. Ouais. Ça va être thématisé et ils nous ont donné 2 ans de délai. Avec la construction d'un bâtiment attenant aussi. Non, ça sera dedans. D'accord. Dedans, mais un truc qui roule. Ah, ouais. Comme un train fantôme, mais c'est pas un train fantôme. Et on est en train de regarder pour voir, il y a ajouté de la 3D. Ah, ça peut être sympa ça. Voilà, ça c'est comme si on tombait dans un trou, vous voyez, le train, etc. Ouais. Mais ça, ils sont en train de nous faire le projet. C'est ceux qui font le d'Amnéville en ce moment. AAB. AAB, voilà. Super truc. Je crois que vous avez choisi le Neust. Bah oui, mais on n'avait pas le choix. François Jérôme les connaît très bien. Oui, c'est vraiment les meilleurs. Moi, je connaissais pas. Il les a présentés. C'est un gros investissement. Et en plus, c'est toutes les là. Il leur faut 2 ans. Et l'investissement, c'est 3 millions. C'est pour ça qu'on va se refaire une petite santé. Oui, il faut. On va essayer. On va essayer. Et au niveau, par exemple, du Monster. Comment? Au niveau du Monster, le peinture. Peinture, il a déjà été repeint en partie cette année. Ouais. Tout ce qui était noir. On a refait les escaliers antidérapants, si j'ai venu. Puis l'année prochaine, on verra, on fera par morceaux le Monster. Je me souviens. Hein. C'est un gros morceau, c'est le cas de la vie. Ça coûte un bras. On voulait faire tout le truc, vous savez, en refaire toute la terre derrière, ouais. Mais il y a tellement plu. Chaque fois que des gens venaient avec un tracteur, ils enfonçaient. Ouais, apparemment, c'est ça. Non c'est... Ouais, c'est une poubelle derrière. Ouais, en fait. Il faut nous pardonner. Le parc, c'était une poubelle. Comment? Le parc était une poubelle. Ouais. Ben, vous allez voir, j'ai tout. Vous allez vous rappeler l'allée du Monster qui était en bois, là. C'était des plaques de bois tout le long. J'ai fait remettre tous des arbustes, moi. Ah, c'est bien. On va voir. On va voir ça. J'espère qu'on n'a rien oublié de fondamental. On aura le droit au show ou pas alors? Comment? On aura le droit au spectacle? Ah oui, oui. Une partie. Il va vous faire des petits morceaux parce que c'est trop long. C'est sur plusieurs lacs, c'est ça qu'on a compris? Oui, ça se termine ici. Wow. Je pense que samedi, les gens vont être. Comment? Les gens vont s'être en rendez-vous. Ici, plus de l'heure. Il y aura qui? On est là. Ouais, bah j'ai déjà discuté, ouais, des vidéos. Ouais, c'est juste. On a essayé, mais il a pris. Oh, tant pis. Oh, ça fait bien.
Bah, je pense que pour la barque, il va falloir que je fasse une putain de vidéo. Ah, regarde, là, elle est en mode maintenance, là. Encore. Non, mode normal. C'est bon, bah, ils ont vu, je pense. C'est pas encore du tout. Je pense que samedi il va y avoir plein de monde. Alors, que, on voit sur la page, ah, je pense que ça découragera pas les gens. Même le mobilier, on a... Vous avez eu des problèmes de sanitaire? Le problème, ça date de vieux, ça. Bah, 23 ans, minimum. Ouais, alors là, on est en train de, on en a repris déjà un, qui va être terminé, un seul. Mais on va continuer pendant la période d'ouverture. Il y aura encore des travaux, de toute façon. Bah, les toilettes. Ouais. En attendant, on a mis des Algeco. Oui, oui. Tiens, regarde, ils sont en train de repeindre les culs. Vaut mieux offrir, là, vous voyez, là, vaut mieux offrir à des visiteurs des Algeco avec des toilettes propres que des toilettes de merde, hein, c'est le cas de le dire. C'est sûr. C'était crade. Ouais, j'imagine. C'était crade, rien de marcher, ça fuyait, non. C'est ça. Et on m'a dit... Mais vous savez pourquoi ça marchait pas? Parce qu'ils n'avaient pas mis la pompe de relevage en cours. L'entretien, c'était, je pense que outre qu'une question de moyens, il y avait la volonté aussi. Il y avait rien à faire. La volonté. Ouais, ouais. Parce que les moyens, ils auraient pu les avoir, hein. Il suffisait qu'ils laissent l'argent dans le parc. Hein. Oui. Ah oui, bah clairement. Hein. Au début, c'était bien parce qu'ils arrivaient avec une volonté, une envie. Ouais, mais ça et à la fin, je pense que. Voilà. Moi, je pense, c'est fini le foin. C'est terminé. C'est bien. C'est bon. Moi, je pense. Après, enfin, je les connais pas personnellement, mais après le Monster, ils se sont vus trop beaux. Ils se sont dit, on va se diversifier. Mais même avant le Monster. Moi, il est pratiquement payé. Ils m'ont jamais remboursé. Et quelle attraction, hein. Donc, oui, vous appartenait avant le parc, c'est ça? Oui, mais le problème, c'est que je n'avais pas nanti. Donc, je me suis retrouvée... Alors, moi, j'avais blessée une avec un grand B. Moi, j'avais une question sur une attraction que j'aime beaucoup, en fait, oui. Et dans laquelle je suis sûr qu'il y a un potentiel énorme, c'est le rafting. Alors, est-ce qu'il est amené à être réhabilité? Le rafting, dans les prochaines c'est années les boues, les boues. C'est les bouées, c'est ça. Alors, elles viennent d'être toutes repeintes, hein. On les a envoyées chez on a vu des photos. Oui. Elles sont toutes repeintes. Et là, le parc aujourd'hui refait tous les. Vous savez, il y a plein de trous quand on tourne là-dedans. Parce que moi, j'ai fait tout le tour, comme si j'étais une cliente. Ouais. Vous avez tout relevé les dépôts. Visiteuse, parce que François Jérôme m'engueule toujours, on ne dit jamais client dans un parc. Bon. Et j'ai fait tout le tour et je disais, mais c'est pas possible ça. Alors là, ils commencent aujourd'hui, ça sera fini vendredi soir. Ils commencent et ils remettent, vous savez, les. Une espèce de mastic. Voilà. Ouais, et dans après, les on refait. Ça, par contre, c'est dans mes projets de cet hiver. Vous allez rendre heureux, vous allez rendre heureux. Ah, mais moi, quand on parle de ça, j'imagine, on peut faire bah, des super trucs dit, avec ce genre d'attraction. Passons d'attraction. Déjà aux choses qui sont importantes, ouais, qui existent. Bien sûr. Mais là, vous pouvez faire... bon, après, je pense que vous avez vos projets, ouais. Mais en développant un peu la zone, vous pouvez faire un beau quartier, je sais pas d'ailleurs. C'est déjà... la zone qui a, un peu, qui a été délaissée jusqu'à maintenant. Ouais. Et que c'est nous, une des deux zones, oui. Et nous, malheureusement, avec on n'a pas, de pas eu le temps de s'en occuper. Vous allez faire une thématisation par pays, par zone. Vous avez, non, vous avez pas dit par Europa par thème un peu, enfin, par thème, voilà. Thème Far West, thème Far West, la jungle, voilà, des...